nato eye o ka me ku yo o ka me ku yo ana la ko tape la ko o o ka me ku yo o ka me ku ana 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 jesus o o ka me ku yo o ka me ku yo o ka me ku ye o ka me ku ida kunanie o kunanie nanto ni keson Daniel chapitre 3 verset 14 à 15. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta bonté. Je veux te confier ce message que tu as mis dans mon esprit. Je prie, Père, que tu bénisses ce message. Je prie que tu ouvres les cœurs. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu ramènes les cœurs de ceux qui se sont éloignés à toi et que tu leur communiques la persévérance qui sied à ton œuvre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Bien-aimé, ce matin, je veux juste t'exhorter rapidement au travers de ce passage. Dans ce passage, il est question de trois jeunes Hébreux qui se sont retrouvés en captivité. Ils se sont retrouvés en esclavage dans une nation étrangère et le roi de l'époque, qu'on appelait Nebuchadnezzar, s'est levé un matin, lui qui était un idolâtre, lui qui était un païen, il a décidé d'ériger une statue au sein du royaume et il a ordonné à tous les habitants de venir se prosterner devant la statue pour l'adorer. Il se trouve que tous les habitants du royaume, effectivement, dès qu'ils entendaient le coup d'envoi, ils couraient, ils allaient se prosterner parce que le roi avait dit que celui qui ne se prosterne pas dans cette statue, devant cette statue, il sera jeté dans une fournaise ardente. La fournaise ardente, si vous voulez, c'est un grand feu qui a été préparé. Un grand feu qui a été préparé comme dans une sorte de puits. Et ce feu-là, il était très fort. Donc le roi menace tous ses sujets pour dire: celui qui ne va pas adorer ma statue-là, en récompense, il sera jeté dans la fournaise ardente. Et la Bible nous parle de trois jeunes Hébreux: Meshach, Shadrach, Abednego. C'est vrai qu'ils étaient en captivité, en esclavage dans ce pays, mais ils étaient Israéliens. Et dans leur coutume en Israël, ils connaissaient Dieu, le Dieu de la Bible. Et ils savaient que dans la parole de Dieu, il était écrit qui ne devait pas se prosterner devant des statues, qui ne devait pas se prosterner devant d'autres dieux. Donc même lorsqu'ils arrivent dans cette nation et que le roi prend un décret pour menacer toute la population pour dire: si vous ne vous prosternez pas devant la statue,
on vous jettera dans la fournaise ardente, ces trois jeunes gens, ces trois chrétiens comme vous et moi, si c'était aujourd'hui, on dirait ces trois chrétiens, ces trois israélites refusent de se prosterner devant la statue. Et le roi les appelle. Le roi leur dit, j'ai appris que vous refusez de vous prosterner devant la statue que j'ai dressée. Est-ce que c'est parce que ça vous a échappé, vous n'avez pas bien compris, ou bien vous faites exprès? Alléluia. Parce que le roi avait vu ces jeunes gens-là dans le royaume. Il les aimait également. C'était des jeunes gens bien, qui travaillaient bien, qui avaient de bonnes valeurs. Donc même quand le roi a appris qu'il refusait de se prosterner devant sa statue, le roi a voulu les détruire en même temps. Donc il leur donne une chance. Il a dit, j'ai appris que vous refusez de vous prosterner devant la statue que j'ai faite. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit là? Bon, si c'est vrai, bon, peut-être qu'on n'avait pas bien entendu. Donc tout ça, c'est pour leur donner une chance pour que les gars disent, ah roi, effectivement, on n'a pas bien entendu, effectivement, on n'a pas bien entendu, et qu'on se prosterne. Mais malgré la main que le roi leur tend, ces trois jeunes gens-là, ils restent fermes sur la parole de Dieu et ils répondent au roi ceci. Ils disent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Roi, la question que tu poses là, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera. Ils disent au roi, roi, on n'a pas besoin de te répondre sur ça. Hein? Le Dieu que nous on prie là, ton feu que tu as fait, ta fournaise ardente là, il peut nous délivrer de ça. Et puis d'ailleurs, il va nous délivrer. Alléluia. Et ils finissent par dire, mais sinon roi, sache que nous ne servirons pas ta statue. Ça veut dire que le Dieu que nous prions, il peut nous délivrer de ta fournaise. Mais même s'il ne nous délivre pas, même si Jésus ne nous délivre pas de ta fournaise ardente là, nous, on va pas se prosterner devant ta statue. Alléluia. Même s'il ne nous délivre pas, on peut essayer de ce matin être intitulé « Même s'il ne le fait pas ». Bien-aimés, ces jeunes gens étaient confrontés à la mort. Ils avaient soit le choix entre se prosterner devant une statue. Et ça, ça leur aurait pris juste une minute. Se prosterner devant une statue, ça fait quoi? Pendant une minute, tu te prosternes, tu te lèves, c'est fini. Ils avaient juste cette voie-là pour sortir du feu qui les attendait. On parle d'une fournaise ardente, c'est-à-dire c'est un grand feu. On dit fournaise ardente. Donc, leur refus de se prosterner devant la statue, voici où ça allait les conduire, devant un grand feu dans lequel ils allaient les jeter. Mais ils disent au roi, nous ne vont, on ne va pas se prosterner devant ta statue. Non, Dieu peut nous délivrer. Même s'il ne le fait pas, de vous à moi, un grand feu, on te jette dedans. Si Dieu ne t'a pas délivré là, c'est quoi qui reste? C'est la mort. Alléluia. Si Dieu ne te délivre pas de cette fournaise là, ce qui te reste là, c'est la mort. Donc ils étaient prêts, ils disent au roi, on ne va pas adorer tes statues. Et puis si Dieu ne nous délivre pas là, nous on est prêts à mourir. Même si Dieu ne nous délivre pas, on va le suivre quand même. Même si Dieu ne nous délivre pas, on est à lui quand même. Alléluia. Ce matin, je veux réveiller le cœur d'un chrétien. Voyez-vous, aujourd'hui, il faut que les chrétiens que vous êtes, que nous sommes, que nous revenions à ce que c'est que être chrétien véritablement. À ce que c'est que être avec Jésus, marcher avec le Seigneur.
Aujourd'hui, les gens ont transformé l'église en un lieu où Dieu est devenu un distributeur automatique. Lui, là, vient, Seigneur, je veux mon mariage. Si je te donne jusqu'en fin d'année, si je ne me marie pas, je quitte le groupe musical. Je te donne jusqu'au stick pendant 6 mois. Si Dieu, tu ne me donnes pas un travail, je sors du comité d'intercession. Si Dieu, tu ne me donnes pas une femme, un mari, je n'évangélise plus. Alléluia. Bien-aimés, sortez de cette chrétienté. Cette chrétienté où on fait de Dieu un guichet automatique. Dieu n'est pas un guichet automatique. Dieu n'est pas là pour distribuer des choses aux gens. Alléluia. Revenez à votre premier amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que les choses qui ont été écrites là l'ont été pour notre instruction. Donc, si je vous parle de l'histoire de ces 3 jeunes gens ce matin, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'avant que vous ne veniez sur la terre, il y a des gens qui ont marché de telle façon et vous devez copier leur façon de marcher. Ces 3 jeunes gens ont dit, Dieu, même si tu ne nous délivres pas, nous ne nous prosternerons pas devant la statue. Même si tu ne nous délivres pas, même si nous devons mourir, nous allons mourir sans nous prosterner devant la statue. Alléluia! 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 Un grand apôtre qui s'appelle l'apôtre Paul. La Bible dit que l'apôtre Paul était un grand homme de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a utilisé pour faire des choses terribles, des miracles. C'est lui-même qui a écrit beaucoup de passages de la Bible. Quelqu'un que Dieu a utilisé. Mais la Bible dit que ce grand apôtre, il avait une écharpe. C'est une maladie qu'il avait. Pendant que lui guérissait des gens, pendant que lui souffrait, pendant que lui ressuscitait des gens, pendant qu'il souffrait. Et pendant 3 fois, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit à Dieu, « Seigneur, délivre-moi de cette maladie. » Mais Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit. » Alléluia. Comme pour dire, « Je ne vais pas te délivrer de ça. Ma grâce te suffit. » Mais malgré cette maladie, il est resté dans le Seigneur. Quelquefois, il a été arrêté. Il a été fouetté. Il a été jeté en prison. Mais il est resté dans le Seigneur. Même quand Dieu ne l'a pas toujours délivré au moment où il voulait, mais il est resté avec le Seigneur. Il a dit à Dieu, même si tu ne le fais pas, je te suivrai jusqu'à la fin. Alléluia. Même s'il ne le fait pas, suis-le jusqu'à la fin. Même si Jésus ne te délivre pas, suis-le jusqu'à la fin. Même si Dieu ne te donne pas un mari, dis-lui, je te suivrai jusqu'à la fin. Je mourrai célibataire, mais je te suivrai jusqu'à la fin. Alléluia. Tu peux dire à Dieu ce matin, même si tu ne me donnes pas un travail, même si tout le monde travaille sauf moi, je ne t'abandonnerai pas. Je te suivrai jusqu'à la fin. Où sont ces chrétiens-là? Dieu cherche ce genre de chrétiens. Arrêtez de suivre Dieu pour des besoins. Arrêtez de suivre Dieu parce que vous voulez obtenir quelque chose. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Même si vous souffrez, la plus grande récompense que vous avez aujourd'hui, c'est de connaître le Seigneur. C'est de connaître Jésus. C'est de savoir que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Chose la plus importante pour vous. Sortez de cet évangile matérialiste. Sortez de cet évangile où on menace Dieu pour des besoins matériels. Même si ton travail est gâté, suis Jésus. Même si on t'a licencié, suis-le. Alléluia. Dis-le à Dieu. Ces jeunes gens, eux, ils avaient la mort en face. Ces jeunes gens, c'est la mort qu'ils avaient en face. Mais malgré la mort certaine qui était devant eux, ils ont refusé de fléchir les genoux devant la statue. Malgré la mort certaine qui les guettait, ils ont refusé d'abandonner la main de Dieu. Aujourd'hui, toi, tu es prêt à abandonner Dieu pour un mariage. Quand tu es venu à l'église, le pasteur ment pour aller évangéliser. Il t'a vu, il t'a dit, viens à Jésus, tu aurais un mari. Il y a longtemps que personne ne se marie dans ta famille. Toi, si tu viens à l'église, Dieu va te donner un mari. Il va te donner un homme. Tu es venu à l'église parce que depuis 6 mois, depuis 1 an, tu es là. Tu n'as pas eu ce mari. Aujourd'hui, tu es totalement découragé de Dieu. Mais eux, il y a la mort qui était devant eux. Mais ils ont dit à Dieu, nous ne te laisserons pas. Nous n'abandonnerons pas ta main. Nous resterons avec toi jusqu'à la fin. Toi aujourd'hui, pour un mari, tu es prêt à abandonner Dieu.
Pour un travail, tu es prêt à tourner le dos à Dieu. Pour ça. Rien que pour ça. Ça fait 10 ans que tu es à l'église. Parce que tu as prié, tu as jeûné. Dieu ne t'a pas encore donné un enfant. Tu es prêt à abandonner Dieu pour ça. Tu as cessé d'apparaître dans le groupe musical. Tu as cessé de soutenir l'œuvre comme tu le faisais aujourd'hui avec zèle. Parce que Dieu a décidé de tester. Et il n'a pas répondu à ta prière. Rien que pour un enfant. Tu es prêt à abandonner Dieu. Rien que pour un enfant, tu es prêt à abandonner ton éternité. Tu es prêt à abandonner Dieu pour finir en enfer à cause d'un enfant, à cause d'un travail. Un travail qui va durer juste jusqu'à 55 ans. Un travail pour lequel, quel que soit ton zèle, à 55 ans, tu seras à la retraite. Pour ça, tu es prêt à abandonner Dieu. Pour ça, tu es prêt à abandonner Dieu. N'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, peu importe ma souffrance, peu importe ma galère, peu importe mon humiliation, je te suivrai jusqu'à la fin. Même si tu ne me délivres pas, même si tu ne me délivres pas, même si tu ne le fais pas, je te suivrai jusqu'à la fin. Même si j'ai faim, je te suivrai jusqu'à la fin. Même si avant j'étais mieux et qu'aujourd'hui j'étais suivi et que les choses se ferment autour de moi, je te suivrai jusqu'à la fin. C'est pourquoi aujourd'hui le diable n'a pas peur des chrétiens. Parce que Satan même, il s'est assis, il a analysé les chrétiens et il a vu qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des hommes matérialistes. Ne suivant Jésus que pour le manger et pour boire. Ne suivant Jésus que pour les choses matérialistes, éphémères. Et donc, le diable, il sait où toucher les chrétiens et puis ça va faire mal. C'est pourquoi ils courent et puis ils vont bloquer ton travail. Parce qu'il sait que s'il touche ton travail, tu vas renier Dieu. Parce que quand il te regarde, il sait que s'il touche ta femme ou ton enfant, toi tu vas renier Dieu. Et je vous dis une chose, Satan s'en fout qu'un homme soit milliardaire. C'est pourquoi le diable n'a pas de problème pour donner la prospérité et la gloire aux hommes. Tous ceux qui vont faire des pactes, hein, les sorciers, les marabouts là, demandez-leur. Satan leur demande une seule chose. Donne-moi juste une goutte de ton sang. C'est tout ce qu'il demande. Et pour la seule goutte de ton sang, il peut te donner le monde entier en récompense. Ton sang là, tu sais ce que ça représente? Ton sang, c'est ton âme. Ton sang, c'est ton âme. Donc, Satan n'a pas de problème pour te donner les biens matériels pourvu qu'il soit sûr que ton âme est entre ses mains et ton âme, là, ça va brûler en enfer avec lui. C'est tout. Tous ceux qui sont dans le monde, là, les artistes qui sont dans le monde et qui ont vendu leur âme au diable, là, demandez-leur ce qu'ils ont donné au diable. Demandez-leur ce qu'ils ont donné aux marabouts, aux féticheurs. Demandez-leur. Ils vont vous dire, j'ai juste donné mon sang. Le sang, là, c'est rien dans le monde physique par rapport aux voitures, aux maisons, à la gloire que Satan donne. Mais pourquoi c'est ça que Satan prend? Parce que dans ton sang, c'est ton âme. L'âme de l'homme, là, c'est dans son sang. Donc quand tu donnes ton sang à un marabout, à un féticheur, tu as vendu ton âme à Satan. Donc quand le diable même voit que le monde naturel là, ça ne t'impressionne pas. Et qu'il sait que même s'il touche ta vie, mais tu continueras de servir Jésus, le diable, il n'a pas problème avec toi. Il te laisse ça ailleurs. Alléluia. Réveillez-vous, chrétiens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Soyez des enfants de Dieu. Soyez des disciples de Jésus. Que vous mangiez, que vous ne mangiez pas, on s'en fout de ça. Que vous ne mangiez pas, vos âmes appartiennent à Jésus, c'est le plus important. Même s'il ne te donne pas le mari, même s'il ne te donne pas la femme, peut-être que tu as prié, tu as jeûné, mais la sœur Yvette est tombée. Malgré ça, lève-toi, suis Jésus, secoue-toi, continue de le suivre. Continue de le suivre, ne te laisse pas distraire. Pas des choses que le diable met dans ton cœur.
Même s'il ne te délivre pas, suis-le. Peut-être que tu es malade depuis longtemps, tu pries, tu jeûnes, tu cries à Dieu, mais la maladie est là. Avant toi, il y a des gens dans la Bible qui ont été malades, qui ont demandé à Dieu de les guérir. Ils ne les ont pas guéris, mais ils ont suivi Jésus jusqu'à la fin. On s'en fout de ta maladie. Ce qui nous intéresse, c'est ton âme. Ne perds pas ton âme pour ces choses-là. Ne perds pas ton âme. Si Satan, Dieu te donne un travail, gloire à lui. S'il ne te donne pas un travail, on s'en fout. Viens à l'église, on va prier Dieu. Garde ton âme en sécurité jusqu'à la fin. C'est la chose la plus importante. Garde ton âme en sécurité entre les mains de Dieu. La plus importante des choses, ce n'est pas que tu te maries. Ce n'est pas que tu aies des enfants. Ce n'est pas que tu aies un travail. Ce n'est pas que tu aies une voiture. Ces choses sont bonnes, mais ce n'est pas la plus importante. La plus importante, c'est ton âme. Ton âme, ton âme, ton âme. Alléluia. Dis-lui Dieu, même si tu ne le fais pas, même si tu ne me délivres pas, je te suivrai jusqu'à la fin. Même si tu ne me délivres pas, même si je ne mange pas, je te suivrai jusqu'à la fin. Tu arrêtes de suivre Jésus même pour aller où? Il y a quoi où? Il y a quoi où? Dans ce monde-là, il y a quoi où? Même les gens que tu envies là, quand c'est difficile là, c'est nous là, ils viennent appeler, pasteur, pardon, viens, ça ne va pas. Quand c'est difficile là, c'est derrière Jésus, écoute. Toi, tu veux Jésus. Tu veux laisser Jésus pourquoi? Tu veux laisser Jésus pourquoi? Dis à Dieu, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'en fous. Que je mange, je te bénirai. Que je ne mange pas, je ne te laisserai pas. Toi et moi, on est ensemble. Le ciel dont tu as parlé là, je verrai le ciel aussi. Moi, je ne connais pas pour toi, hein, mais en tout cas, moi, je suis décidé à aller au ciel. Et Satan, même quand il me regarde, il sait que le gars là, il n'y a rien qu'il peut faire pour le détourner de son affaire de Jésus. Il n'y a rien du tout. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué ma femme? Tu l'as? Si tu la tues, je resterai toujours à Jésus. Tu as fait quoi? Tu as tué mes... Tu l'es. Quand tu les tues aujourd'hui, matin, tu vas me trouver à l'église en train d'adorer le Seigneur. Rien ne peut me séparer de Jésus. Arrêtez de vous attrister pour des histoires de manger. Manger, on mange, on est rassasié. On va aux toilettes. C'est tout. Alléluia. Je suis arrivé à un stade de ma vie où rien ni personne ne peut me détourner de Jésus de Nazareth. Tout ce que je possède, je resterai toujours en Jésus. Je verrai le ciel. J'irai au ciel. Et on verra ce qui est dans le ciel. Même si Jésus dit il n'y a plus ciel, je le suivrai quand même. Même si Jésus dit le ciel n'existe plus, fiston, il dit passe devant l'homme. On s'en va. Je le suivrai jusqu'à la fin. Arrêtez de vous embrouiller dans les trucs de sorcellerie. De l'ose, vous cherchez quoi là-bas? On parle de Jésus, vous êtes dans la sorcellerie. On parle de Jésus, vous faites quoi dans la sorcellerie là-bas? On parle de Jésus, vous êtes dans les loges, vous êtes dans n'importe quoi. On parle de Jésus. Un Dieu fidèle comme lui là, je n'ai jamais vu ça. Mettez vos vies en ordre. Un Dieu fidèle comme lui, tu trouveras nulle part. C'est pourquoi ces jeunes ont dit, Seigneur, même si tu ne nous délivres pas, mais statue ça là, on ne se prosterne pas devant. Arrêtez de baisser vos standards. Arrêtez de baisser vos standards. Arrêtez de vous compromettre pour avoir des plaisirs éphémères du monde. Arrêtez de baisser vos standards moraux pour des petits plaisirs éphémères du monde. Pour des petits plaisirs que l'argent donne. Si tu as trop vécu sur la terre, là, tu as juste pour 100 ans. C'est-à-dire que 100 ans, là même, Dieu t'a fait grâce jusqu'à fatiguer. Tu as juste 100 ans. Mais 100 ans, c'est quoi par rapport à l'éternité? 100 ans, c'est quoi par rapport à l'éternité? Quelqu'un est mort. Dieu a ouvert mes yeux pendant que j'étais dans 40 jours de jeûne.
J'ai vu cette personne tomber dans le feu de l'enfer. Je l'ai vu brûler. Aujourd'hui, tu peux tout me prendre, mais tu ne pourras jamais me prendre Jésus. J'ai compris que Jésus est au-dessus de tout. Tu peux tout me prendre. Prends-moi tout ce que tu veux, mais je suivrai Jésus jusqu'à la fin. Alléluia. Si tu veux, toi va faire sorcellerie. Si tu veux, toi il ne faut plus parler à moi. Si tu veux, lève-toi comme tu veux contre moi. Ça c'est ton problème. Mais moi, je resterai en Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a ces chrétiens là ici qui peuvent dire à Dieu, Seigneur, je suis avec toi. Même si tu ne me délivres pas de la fournaise ardente, je serai avec toi. Je serai avec toi, Jésus. Prêt à obéir à ta voix. Au péril même de ma vie. Prêt à obéir à ta parole. Au péril de ma vie. Où sont ces chrétiens-là? Aujourd'hui, nous tombons pour des petites choses. Des choses même où nos vies ne sont même pas en jeu. Nous tombons, nous nous prosternons devant les statues que le monde dresse devant nous. On tombe pour si peu. On tombe pour si peu. On tombe pour si peu. Pour un travail, on tombe. Pour un mariage, on baisse nos standards. Parce que tout le monde se marie. Il faut que je me marie, qu'on dise madame. Mais on s'en fout de ton madame là. On s'en fout de ça. Ton madame y a là. On s'en fout de ça. Suis Jésus. Madame, ça a fini dans 100 ans. Tu seras dans la tombe, squelette. Celui pour qui tu t'es compromis là, quand tu seras plus sur la terre, il continue sa vie. Quelqu'un d'autre va venir se faire appeler madame avec le même monsieur pour qui tu as baissé tes standards. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu seras là-bas? Dans quelle situation tu es là-bas? Alléluia! J'ai vu des gens. Il m'est arrivé deux fois d'aller dans les prisons quelquefois. Aller juste saluer des prisonniers ou aller rendre visite à des prisonniers. J'ai vu les situations difficiles dans lesquelles ces gens-là vivent. Mais eux, ils ne sont là-bas que juste pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans maximum. Et l'enfer! Et l'enfer dont Dieu parle. Et qui aujourd'hui a disparu de vous tous vos têtes. Vous êtes aujourd'hui convaincus qu'on vient à l'église pour obtenir ce qu'on n'a pas pu obtenir les féticheurs. On ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église pour assurer son éternité. Mon éternité est assurée. J'irai au ciel quand je quitterai la terre. C'est ma préoccupation. C'est ce pourquoi je vis. Et chaque jour de ma vie, je fais en sorte de rester dans la voie de Dieu et dans la voie qui mène au ciel. C'est pourquoi je veille sur moi-même. Je veille sur moi-même. Je veille sur chacun de mes pas. Les réunions critiquent des gens. Les réunions complotent le mal contre les gens. Les réunions, on projette de détruire les gens. Je ne suis pas dedans. Je veille sur ma foi. Parce que quand tu es dans ces réunions-là, tu penses que c'est à celui qui est en face que tu fais mal. Mais tu te fais mal à toi-même. Parce que toi-même, tu crées ta route pour aller en enfer, toi seul. Veillez sur vous-même. Alléluia. Soyez des chrétiens, veillez sur vous-même. Que votre objectif là, ce soit le ciel. Donc veillez sur vous-même. Quand quelqu'un veut vous mettre dans la compromission, dans le péché, quittez devant cette personne là. Car le salut est individuel et chacun trace sa route. Depuis que j'ai compris ça, il n'y a aucun homme dans ce monde qui peut me détourner de Jésus. Ce que tu as venu me dire, si ça peut m'amener au ciel, je suis à toi. Si ça ne peut pas m'amener au ciel, je quitte devant toi. Vous trouverez jamais personne. Faites enquête dans ce quartier ou dans ce pays qui va dire que cet homme là il a manœuvré contre moi, il m'a fait du mal. Ça n'existe pas. Je te fais pas du mal, pas parce que je t'aime trop, mais parce que je sais que si je te fais du mal, c'est à moi même qui ai fait du mal. Je suis en train de fermer les routes, la route de mon éternité. Donc ça m'intéresse pas de faire du mal à un homme. Réveillez-vous. 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 Alléluia. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Dites à Dieu, j'ai faim. Si tu me donnes à manger, je te bénirai. Mais même si tu ne me donnes pas à manger, je serai toujours avec toi. Je serai le premier à l'église pour l'intercession. Je serai le premier sur le terrain de l'évangélisation. J'ai faim, mais je crie, répondez-vous, Jésus revient bientôt.
Sauvez vos âmes. J'ai faim, mais c'est moi-même qui suis fort. Dieu voit cela. Okame kuyiyo
there, for a flow, oh, for Il y a un peu de temps.